Allez, tu as trouvé la lettre? C'est bien. Numérote d'abord toutes les lignes de 104. Combien en as-tu trouvé? Oui, c'est 24 lignes. Lis maintenant toute la lettre et réponds à ces questions. Qui a écrit cette lettre? C'est Paul. Paul, donc, est l'expéditeur. À qui? À ses parents. Très bien. Paul a écrit cette lettre à ses parents. Les parents, donc, sont les destinataires. Ils vont recevoir cette lettre. Quand Paul a écrit cette lettre? Oui, le 16 mai 1999. Et c'est la date. On l'écrit en haut du cadre et à droite. Où est Paul? Et d'où écrit-il cette lettre? Très bien. Il est à Montserrat. C'est le lieu où se trouve Paul l'expéditeur. Revenons maintenant au contenu de cette lettre. Écris une question qui te permettra de la lire et de remplir le tableau ci-dessous. Quelle question as-tu trouvée? Tu as deviné? Oui. Bravo. La question est: pourquoi Paul a-t-il écrit cette lettre à ses parents? Remplis maintenant le tableau. Reprenons la question précédente. Pourquoi Paul a-t-il écrit cette lettre à ses parents? Bien sûr, il veut leur donner de ses nouvelles puisqu'il est loin d'eux chez son oncle à Montserrat et on a déjà vu. Alors, dans sa lettre, Paul donne de ses nouvelles à ses parents. Premièrement, il leur parle de son voyage dans le moyen de transport et de son regret d'être loin d'eux. Deuxièmement, il leur décrit l'accueil chaleureux de la famille de l'oncle Marcel. Troisièmement, Paul informe ses parents qu'il va organiser avec la famille de son oncle une promenade en montagne et il rassure surtout sa mère. Quatrièmement et enfin, il leur demande de lui répondre à sa lettre. Reprenons du début. Paul est allé passer les vacances chez son oncle Marcel à Montserrat.
Il a pris donc un moyen de transport. Lequel? C'est le train. Oui, il a pris le train. La phrase justificative. Allez-y, à la ligne, à la fin de la ligne 5. J'ai rapidement reconnu oncle Marcel qui m'attendait sur le quai de la gare. Et aussi, le début de la ligne 7. Dès que je suis descendu du train. Il a pris donc le train et il est descendu à la gare. Après, la famille de Marcel a bien accueilli Paul. Comment? Oui, elle l'a bien accueilli. Toute la famille même. D'abord, son oncle l'a reçu à la gare et lui a offert du jus. Puis, à la maison, tante Catherine a préparé un bon repas et une tarte aux cerises. Ludovic et Yvette aussi l'ont reçu gentiment. Quel accueil chaleureux! Paul est le neveu de Marcel, le fils de son frère ou de sa sœur. C'est-à-dire, Marcel est l'oncle de Paul. C'est son oncle paternel, le frère de son père, ou l'oncle maternel, le frère de sa mère. Ludovic, donc, est son cousin. Yvette est alors sa cousine, puisqu'elle est une fille. Cousin, cousine, oncle paternel, oncle maternel. Tu peux ajouter aussi tante paternelle, tante maternelle. Tu as compris maintenant que Paul est loin de ses parents. Il passe ses vacances chez son oncle Marcel. Alors, il donne de ses nouvelles à sa mère et à son père en leur envoyant cette lettre. Parmi ses nouvelles, il leur a parlé de son projet de sortie. À quelle ligne? À la ligne 17 et 18. Déjà, pour demain, nous avons projeté une promenade en montagne. Que dit-il aussi à sa mère pour la rassurer? La suite de la ligne 18. Mais sois tranquille, maman. Je serai prudent. Donc, il tranquillise sa mère. Il la rassure. Par quelle formule Paul a-t-il terminé sa lettre? Allez-y à la ligne 23. C'est la formule d'adieu. Je vous quitte en vous embrassant bien fort. Paul aime bien ses parents. Il est loin d'eux. Il veut donc les embrasser.
Paul a promis à sa mère d'être prudent. Qu'est-ce que ça veut dire, prudent? Faire attention. Être attentif. Être sage, etc. Son contraire est imprudent. Prudent, imprudent. Juste, on ajoute le préfixe im. Tu peux aussi trouver d'autres explications. Revenons à la partie où Paul parle de son projet de sortie. C'est à la ligne 17. Déjà, pour demain, nous avons projeté une promenade en montagne. Réécris, tu as réécrit cette partie en imaginant un autre projet. Exemple, donc déjà pour demain, nous avons projeté un pique-nique ou bien du sport ou bien une partie de pêche, etc. Tu as réalisé les exercices? On va les voir. Page 86 du cahier. Voici les exercices du cahier d'activité. Numéro 1. Relève dans la lettre la formule d'interpellation. C'est à la ligne 2. Cher papa, chère maman. La formule d'adieu. C'est à la ligne 23. Je vous quitte en vous embrassant bien fort. Le début de la lettre. À la ligne 3. C'est du chalet que je vous écris. Arrêtons un peu au mot chalet. C'est une habitation en montagne. Tu trouveras à la fin de cette présentation une illustration du chalet. Qu'est-ce qu'il y a aussi dans cet exercice? La fin de la lettre. C'est à la ligne 22. Tout le monde me charge de vous envoyer ses amitiés. Qui tout le monde? C'est la famille Marcel et ses membres. Exercice numéro 2. Mets une croix dans la case qui convient. Cet exercice m'aide à résumer la lettre. Dans cette lettre, Paul donne des informations. Il les présente en 4 paragraphes. L'information numéro 1. Paul dit qu'il veut une réponse. C'est au 4e paragraphe. Il parle de l'accueil qui lui a été fait. C'est au 2e paragraphe. Les deux informations suivantes, il évoque son voyage en train, il regrette d'être loin de ses parents, c'est au 1er paragraphe. Il donne une idée sur ce qu'il va faire, au 3e paragraphe. L'exercice numéro 3. Petit a. Recopie
la partie de la lettre où Paul parle de son premier projet de vacances. La ligne 17. Déjà pour demain, nous avons projeté une promenade en montagne. Petit B. Réécris cette partie de la lettre en imaginant un autre projet de vacances. Déjà, pour demain, nous avons projeté de faire du sport en plein air. Quatrième exercice. Complète la silhouette de la lettre. On nous a présenté les quatre paragraphes, mais il manque la ligne numéro 1 et à droite, la date et le lieu. Deuxième ligne et au milieu, la formule d'interpellation, cher, etc. L'avant-dernière ligne, la formule d'adieu pour dire au revoir, à bientôt, grosse bise, etc. Et avant d'envoyer la lettre, il faut la signer à la dernière ligne par l'expéditeur. C'est sa signature. Cette silhouette nous aidera en production écrite. Et pour terminer, voici quelques illustrations en rapport avec notre lettre. Numéro 1. Cet homme fait du ski en plein air. Numéro 2. C'est la vue des montagnes. Numéro 3. Cet escaladeur escalade une montagne. C'est dangereux, mais il faut être professionnel et doué. L'illustration numéro 4, c'est notre chalet. Le chalet, une maison en montagne. Numéro 5, il fait du sport en plein air. C'est du golf. Numéro 5, une promenade en plein air. Cette fille ou bien ce garçon se promène. Il va découvrir. Voilà, on a terminé notre exploitation écrite de la lettre. J'espère que vous avez bien compris et que vous avez retenu la forme de la lettre, comment la présenter, qu'est-ce qu'il faut écrire, et on terminera en production.